Yo les gens, salut à tous, c'est Nickel Arsène et Fair Manga. On se retrouve vers une nouvelle vidéo. Une vidéo très 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 spéciale et très 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 triste. Donc voilà, je suis pas dans mon assiette. Je suis vraiment dégoûté. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi la cause, je suis. Il y a une personne qui nous a quittés aujourd'hui. Et cette personne-là, c'est une légende. Donc cette personne, il travaillait sur des animés, manga. Donc il y avait donc c'est un l'animateur, voilà, ça, voilà. Donc il travaillait dans les mangas animés et voilà. C'est un animateur, c'est une personne qui, on va dire, il développe les, on va dire les animés, voilà, on va arrondir ça. Et cette personne, ben, il a fait Ken Survivant, Dragon Ball Z, écoutez bien, City Hunter, City Hunter, et dernier et un autre animé. Excusez-moi, si je parle voilà un petit peu bref ou des choses comme ça où j'arrive pas à trop parler, excusez-moi. Donc voilà. Donc cette personne voilà, il a fait ces animés-là, on va dire. Et malheureusement cette personne est décédée. Donc cette personne, elle s'appelle Masami Suda. Donc voilà, cette personne, voilà, il a, on va dire, développé Dragon Ball Z, City Hunter, voilà, City Hunter, voilà, Ken Survivant et encore un autre et encore des autres animés. Donc voilà, on va revenir sur City Hunter. Voilà, on va revenir sur City Hunter. Masami Suda, excusez-moi, j'ai mal dit son nom. Ben, c'est lui qui a développé, on va dire, les films City Hunter. Vous voyez tous les films City Hunter, par exemple. Allez, je prends celle-là. Voilà, film City Hunter by City Ward. Voilà, ben, par exemple, ce film, c'est lui, on va dire, il a travaillé dessus. Et même, on va dire tout le reste des films. Donc voilà. La plupart. Et aussi, elle travaillait vers quelques-uns épisodes, pardon. Donc voilà. Donc, comment j'ai su? Ben, par internet, d'abord sur Instagram, puis Google et puis Twitter. Donc, je vous mets une capture d'écran. Voilà. Donc voilà une capture d'écran pour une preuve pour les personnes qui ne croient pas. Il est bien mort. Donc je ne sais pas il est mort de quoi. Je ne sais pas il est mort à quelle heure. C'est si cela. Je sais qu'il est mort aujourd'hui et c'est officiel. Donc voilà. Voilà. Moi de ma part, je suis très dégoûté. Très déboussolé. Parce que quand même c'était un pilier pardon vers les animés voilà donc pour je vais faire un petit hommage on va dire un petit hommage c'est que je vais faire une vidéo et poster je pense soit tous les films City Hunter qui sont là, ou soit je poste que trois films City Hunter, mais vraiment complète. Il va pas avoir de partie, rien du tout. Je pense que je vais poster. Donc voilà. Ou soit on va regarder des épisodes, des choses comme ça en live. Donc, je vais voir, je vais vraiment voir et
Et puis voilà. Bon voilà, ben les amis, ben je vais pas vous dire, j'espère que ça vous a plu, hein. Vraiment, mettez des likes. Like ou soit de commentaires. Vraiment, ça, vraiment, je. Vraiment, si vous mettez un commentaire avec un petit cœur du nom créateur, donc il s'appelle Masami Suda. Si vous mettez le nom avec un petit cœur dans les commentaires, vraiment, ça me fait super plaisir. Et puis voilà. Et puis nous on va se retrouver peut-être tout à l'heure en live qu'on va regarder les animés, les animes de City Hunter. Je sais pas, je vais faire quelque chose. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur ça. Il va y avoir, je pense, le film. Je pense que je vais mettre deux films complets sans coupure, sans deuxième partie ou première partie. Non, ça va être tout complet. Et puis voilà. Et après, il y aura, je pense, une vidéo. Et puis voilà. Voilà, nous on va se retrouver peut-être tout à l'heure pour un live. Et c'était Nickel Arsène Fermanga. Et puis voilà, et portez-vous bien. Et ciao.